Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis comédien et je fais partie de la troupe des Dindes Galantes avec Inès, Laura, Sophie, Lambert et Julien. Et nous avons tous été formés au studio Alain de Bock où nous nous sommes rencontrés. Pourquoi avons-nous choisi de nous appeler les Dindes Galantes? Bah parce que c'est vachement sympa une dinde. On est tous passionnés par le théâtre et on ne rêve que d'une chose. Jouer. Le problème, c'est que dans le monde réel, quand on sort d'une école de théâtre, ça se passe rarement comme ça. Je suis comédien et je viens de sortir de l'école. Ça vous dirait de jouer dans le prochain Tarantino? Ouais. Un second rôle? Ah. Le premier rôle? Oh ouais. Ok. Alors on s'est dit que plutôt que d'attendre qu'on vienne nous chercher, il fallait lancer notre projet nous-mêmes. Ça fait donc plusieurs mois qu'on répète d'arrache-pied le leg de Marivaux. Le quoi? Mais si, Marivaux, rappelez-vous, on a tous étudié au lycée. Pierre Carlet, Chamblain de Marivaux, dit Marivaux, est l'auteur de pièces remarquables telles que Le jeu de l'amour et du hasard, et La double inconstance, ou encore... Oui, les fourberies de Scapin. Votre inculture m'incommode, sortez. On a donc décidé de monter Le Leg, une comédie en un acte de Marivaux qui met en concurrence l'amour et l'argent. Il y a 6 beaux rôles pour chacun de nous et on a hâte de vous montrer ça. Vous pourrez venir nous applaudir du 14 avril au 2 juin, les mercredis et dimanches au théâtre Darius Milhaud. Et du 28 août au 7 novembre, les jeudis, samedis et dimanches au théâtre À la Folie. Sans oublier en janvier 2022 au festival des Fous Rires de Courbevoie. Cette programmation nous permettra de nous faire connaître, d'inviter des professionnels qui nous diffuseront dans toute la France et surtout, de conquérir le monde. Le problème, c'est que monter un spectacle de qualité avec des costumes d'époque, eh ben, ça a un prix. C'est pour ça que nous avons lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule, où vous pouvez nous donner un coup de pouce. On a préparé des contreparties super cool. Des badges, des invitations, des affiches dédicacées, des voitures, une villa sur la plage, plein de bijoux, une invitation pour le Fouquet. Mais on n'a jamais... Mais Lambert, tu arrêtes. Non. Les fonds récoltés vont nous permettre de financer plusieurs choses. Les costumes, les décors, la location des théâtres, ainsi que tous les supports de communication. Tada! Oh! Ah mais c'est pas la définitive, hein. 1 euro, 2 euros, 1 000 euros, 100 000 euros... La moindre petite somme est un pas de plus vers la professionnalisation de notre troupe de dindes. Mais surtout le plus important, en partageant cette vidéo, vous aiderez Julien à subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Mais bah, j'ai pas d'enfants en fait, pourquoi tu dis ça? Ta gueule, sorry. Les gens ils aiment les enfants.